Bonjour, bonsoir, toutes amis, toutes fanatiques, faites la caille, n'importe qui côté web suivre nous en Haïti comme à l'étranger, nous comptons ensemble avec vous. Jeudi à ce jeudi qui 19 décembre en 2019, année à lui-même, et l'a fini à grand pas. Mais n'a pas souhaité ou joyeux Noël, que Noël ça lui-même l'hypothèque et tout ça qui cœur lui-même le désire. Nous connaissons Noël, partage tout le monde qui a Zouboutou après le réunir pour être capable de partager avec famille et amis. Mais en attendant, nous là pour nous capables informer, pour nous capables faire connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous pourrons et présenter au journal Première Occasion, qui c'est journal Grand Boulevard, Guerrier du Sol, Pierre-Gonel René, et pour aller informer. Et nous-mêmes, nous là comme yon intermédiaire pour nous capables faire et journal arriver, joignez-nous et n'importe qui côté 24 sur 24, 7 sur 7. À présent, journal Première Occasion. Auditeur Caraïbe FM qui est connecté tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal Créole, première occasion. Aujourd'hui, jeudi 19 décembre 2019, toute équipe là content aujourd'hui au matin pour présentation journal Créole, première occasion, journal Grand Boulevard. Réalisation toute équipe en production Jean-Claude Dolce, coordination Daniel Gilbert, mise en ordre Grégory Lubert, régional de Robelson, et bien dans le micro pour présentation journal ça, Pierre Ronel Ronéac, moi-même, Guerrier Diessel. Bonjour Grégory, bonjour régional, bonjour Pierre Ronel. Bonjour Guerrier, bonjour Grégory, bonjour régional, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal là, matin. Et quelqu'un de principal information après le pour développer matin, situation tension en prison civile, Echelon, depuis hier après-midi, côté, il y a un groupe de prisonniers qui a pas tenté sauver dans la prison, prisonniers ont été arrivés désarmés, des agents de la police, et puis, mettez en otage dans la salle, et ben, malgré l'intervention agent Udmo, situation a toujours été compliquée jusqu'à bien tard, hier soir, d'après information, il y a une prison civile, Echelon, qui est gagné là-dedans le 555 prisonniers étaient à peine recevoir 180 prisonniers qui sortis qu'on arrive à Saint-Marc, mais d'après information, eh ben, pas gagné aucun prisonnier qui arrivait sauvé. La politique, la partie, regroupement politique représentant la présidence, organisation dans société civile avec collectivité territoriale, Yoshita Palé pendant 2 jours, 17 à 18 décembre dans le local, dans sa posture apostolique là, une façon pour réfléchir sur comment joindre une solution à la crise pays à connaître depuis quelques temps. C'est un pas positif à une démarche qui devra poursuivre une façon pour rassembler différents secteurs, une façon pour résoudre crise d'après une déclaration tête ensemble qui potait Siati Joseph Lambert, combite national, ancien sénateur Paul Denis, Uniforce à Eric Jean-Baptiste, RDNP. Un groupe marché contré qui vient dans l'OPL, Mokrena, Veyo, Fusion, rappelé, yo, te répondu à yo, invitation pour te participer dans une rencontre dans l'Annonciature, là, dans Pétionville, sous qui, genre, acteurs haïtiens, yo, te capable de concerter pour chercher résoudre crise sans pareil ça. Après, yo, journée de discussion qui pas de bail, aucun résultat, et ben, yo, te décidé camper là, parce que, genre, rencontre, là, a te démarré, il pas te montrer, les cas abouti à rien d'après sa groupe marché, contraire fait qu'on est et a bien pour une mise au point groupe et initiative passerelle là qui est même tout fait qu'on est ben il y a pas trop se voir aucune invitation pour participer à la réunion qui fête mardi 17 décembre 2019 là l'annonciature là qui donc JIP groupe initiative passerelle là pas autorisé deux membres qui étaient présents dans la réunion ça signé en nol malgré même si groupe là reconnaît il était arrivé passer un message important comme groupe initiative Fasrella Pap Arangel si pas gagné participation équilibrée. Sorti la démission Jovenel Moïse, Reginald Boulos s'est plaidé en faveur Pito, un compromis politique, les qualifiés déjà comme historique. Toutefois, homme d'affaires a dit lui compte négociation qu'a fait pendant une répression politique tout partout. Si mouvement pays l'Oclan pas une solution à crise là, faut pas gagner qu'aucun dans négociation d'après Reginald Boulos. Il y a une semaine avant le déroulement fête Noël qui Jean Citroën a paré pour célébrer quand même fête d'année dans un contexte difficile en pile à dessin, tout partout hein, dans la rue, surtout dans le quartier qui est pas vieux, un y est pas clair pour un pile citoyen qui est pas connaît qui s'impourrait face à crise économique là qui vient de plus compliquée. Nous avons suivi un reportage à collaborateur nous Jean-Georges Blaise.
Toujours dans l'occasion, on fait année avec nouvelle année en pile parlementaire. Alors, dans l'occasion, on fait fin d'année avec nouvelle année parlementaire. Il dit, il n'y a pas joué de mots pour faire population. Il y a bon souhait à cause pays à vivre une situation critique face à contexte politique difficile pays à connaître en pile parlementaire. Ça, il dit, il souhaite population un bon combat. Il n'y a pas gagné trop espérance année qu'à venir. Et puis, bon, parce que ça, on a bien un reportage spécial dans le journal La Matin à Coinchelladri. Funérailles, journaliste Michel Pierre-Louis Giraud chanté à Yen, Parc du Souvenir, appel journaliste sportif, ancien camarade Force Lavée d'Haïti, était présent pour rendre un dernier hommage à l'ancien journaliste Radio Galaxien. Michel Pierre-Louis Giraud, fête 14 décembre 1942, l'été mort 6 décembre passé à suite à une crise asthme, l'été gagné 77 l'année. Renforcer la coopération nationale pour la sécurité des journalistes, c'est sous thème ça UNESCO, Organisation Nations Unies pour éducation, sciences qu'il t'y organisé en conférence débat journée hier mercredi 18 décembre, sécurité journalistio, propagation, discours, malveillance avec désinformation, c'est principal thème qui était abordé dans quelle activité si là, différents intervenants ont condamné à toute force, assassinat journaliste au speed Pétion, disparition Vladimir Legagneur, à la mort Néhémie Joseph. Et puis par rapport à l'année passée, donc l'année 2018, là, quantité haïtienne et rapatriés sortis en République dominicaine continue à augmenter considérablement pendant l'année 2019. Là, il y a un chiffre qui est passé, sorti 50 942, arrivé 99 466 rapatriés. Groupe Capapier, réfugiés rapatriés, ils ont présenté rapport ça à l'occasion commémoration 19e journée internationale migrants. Gare, c'est dénoncé. Ces conditions rapatriement haïtien avec violation droit si yo gagné d'après sa gare fait qu'on est. Et puis matin, dans différents rubriques, situation météo pour jeudi sur Haïti qui t'en a fait jeudi sur pays et qui température nous t'a dû élever matin à Pierre Renel. En attendant, nous rejoindre Madame Christette Saint-Georges-Guerrier depuis l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, dans le tableau météo, nous capables déjà, nous pleuvons à qui on tant qu'à bien soleil, il y a pas de vent qui a soufflé, il y a possibilité d'activité, la pluie, mais soleil là, la pleuvée à 6h16, température pendant la journée, à Viricole entre 29 à 33 degrés Celsius en moyenne. À qui on très bon temps, attention là où il y a normal, la partie. Première image, nous recevoir de 4x4 là. Mais juste avant, guerrier, dans l'ENA, actualité à matin, sur route pour nous retourner dans le studio, nous là, dans Rouchavan, Port-au-Prince, à bord 4x4 là, nous constater tout, un gros pile fatra dans un gros capois, et qui débouchait sous champ de masse, même genre, avant ça, dans poste machin, nous t'es, ouais, un gros pile fatra, y a boulé, et là, nous pas trop loin, palais national, champ de masse, nous, qu'a dit qu'il méritait une belle toilette, à défaut d'un capital propre, pour fête là, Hélène a parlé de Chanmas Saint-Sénan, Papote Palais National, qui logeait bureau la présidence. Donc, nous cas comprenons Haïti, il tendait parler de on fête, mais les pas prendre les traditions qui marient avec l'événement ça, disparaître. Nous prenons dans la rue avec Jean-Georges Blaise pour nous voir comment Mounio, ouais, fête là, à qui sentiment il a paré pour accueillir un événement, il n'y a pas paré pour lui. Oui, donc tout partout dans la rue, on se tourne dans quartier qui puis pour vieux, il y a un pas clair pour un pile la famille qui pas connaît à qui saint pour yo adresser prière yo. Donc face à qui une crise économique qui vient plus compliquée, Jean-Georges Blaise, lui-même journaliste terrain ou à le chercher rencontrer puis parler à Kamoun Silayo, on suit un reportage. Dans la rue Port-au-Prince, ces derniers temps, c'est gros blocus manche longue, côté toute activité reprenne comme ça doit, 3 mois après opération pays Locla, qui semblait boire l'huile. C'est vrai qu'il y a un calme qui a soufflé sous ville là, mais contexte là, était fragile. À climat politique là, qui beaucoup clair, m'a connaît à une crise socio-économique qui vient pidu, selon constat, y a un bon citoyen qui d'ailleurs a posé question sous période fête là. Est-ce que tonton Noël a passé année ça, Jean-Bé Barricadio en tout cas, une semaine avant célébration fête Noël là, Christelle Augustin parmi ensemble citoyens dans société civile là, a dit qui Jean-Louis question. Économie pays a été déjà loc. Donc tout haïtien
lock. Donc, ça veut dire non pas capable en aucun cas parler de fête. Et ceci, quand nous parlons de blackout, blackout là, il n'est pas généré l'autre bagaille, il généré insécurité à tous les niveaux. Insécurité à tout ça fait un pile qui n'est pas posé, malgré présence la police qui renforcée dans la rue. Toujours un coup de balle dans quelques coins en bas la ville, dans certains quartiers populaires qui causent femmes et garçons dans couche qui pis mal, pas gain dominangé. Ni fêter non plus. On va se fêter là dans la rue, dans Fatra. Regardez ta manana là. Et coup de balle simplement qu'a tiré. Bonne bagarre, non, mais nous gardons la pluie. Nous allons à un côté pour nous dormir. Le la pluie tombe, puis de l'eau moutée. Caban nous a mouillé. Tout en la pluie va passer pour nous chercher à terre. Pour nous dormir, nous pas dormir. Je n'ai pas vivre là, la baguette fait pour nous. Oui. Et nous allons à un jeune, ni un tonton Noël, ni à deux. Noël vient pas nous là. Nous allons faire pour nous là. Mène à ma chouette, deux mains en tête, jouet domino. En pile jeune femme, jeune garçon qui sortit dans divers quartiers populaires dans la capitale là, semblait pas gagner trop espoir dans un demain meilleur. Et dans mes jeune ça yo, Carlo, avec l'autre compagnie li, obligé à passer quelques musiques spéciales pour chasser stress. Et là, nous sous place d'Italie bicentenaire, bon palma haïtien, côté une bonne famille. Si place à la tête pour venir nettoyer, pas venir nettoyer. Tout ça là, c'est Noël. C'est Noël en bas, il n'a pas ses fatras là, vous sentez. Et moi là, c'est caillou à cause de ça qui a passé dans une la saline, pas gagné ni relais ni répondre. Qui donc, il fait partie pile paquet l'autre famille qui est dans la même situation tête chargée ça, quitte Belé, quitte Matissan qui se connaît, il y a un mauvais moment. Qui ça que tu as dû gagner comme plan pour soulager souffrance si la kipi malio pendant l'époque fête là. Cristal et Joseph DP, Christelle Augustin fait quelques propositions. La demande du président, faut le toucher à ce assainissement vidéo à travers question ça. Ça va le permettre, mon yo jouer une petite bagaille dans la main, pour yo, tu la manger, pour dégager, pour yo, bah, tu vas madame, yo manger, tu vois. La prendre vidéo propre. Deuxième garantie, mon yo a bien une possibilité, tu la manger dans la poche. T'as supposé gagner de programme d'apaisement social. Programme apaisement social là, les pral porter la paix, les pral créer un peu de sécurité. En attendant pour qu'on ait, si tonton Noël a privé Jambé Barricade, qui pour qu'on finisse disparaître surtout dans Platon Bel-Air, l'irrité pour qu'on ait qui sa cap fait, pour faire image capitale là, qui sale coupe un petit dent, côté Grand Ria, en bas la ville, l'irrité jusqu'à présent, un véritable dépotoir. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Voilà, Port-au-Prince, nous, à moins une semaine, fête Noël, la fête fin d'année qui a arrivé sous nos traditions, yo disparaître selon plusieurs reportages qui fait sous fête ça, mais il y a une tradition qui plus ou moins kembe, c'est échange vœux entre institutions, yo en pile, nan yo déjà échangé quatre pour souhaiter bonne fête Noël, mais surtout bonne année pour nouvelle année qui a venu là. Dans le Parlement, nous allons regarder pour nous voir comment les parlementaires, fait fin d'année. Hein? Est-ce que vous fait le souhait à la population et pour nouvelle année? Hein? C'est ça, nous allons regarder là avec Wenchel Adrien qui est même parlé avec des parlementaires qui ont même dit qu'ils n'ont pas joué un mot hein, pour faire population et ont un bon souhait à cause du pays en hein, vivant une situation critique et face à un contexte politique difficile des pays hein, pas qu'on est un peu dans parlementaire ça yo et ben dit qu'ils souhaitent population plutôt bon combat hein, même Jean Bob Tadili bon combat heureux combat oui heureux combat yo pas gagné trop espérance que année ça année cap venir hein, pas puis bon passer ça hein, puisque chaque année c'est comme ça de jour en jour c'est dans toi n'a enfoncé tête nous hein, parce que chaque jour qui passait n'a fouillé trois puis fond pour garder ça la donne peut-être c'est là nous sentir confortable parce que nous même tout ça n'a fait un vel différent hein, parce que j'aime dire là nous équipe spécial ouais tout ça n'a fait nous fait différent hein, tout ça n'a copié tout nous copié différemment l'elle fait positif de l'autre côté nous même nous prend côté négatif là et puis nous prend nous ouvrir nous tablir pas boy site. Oui, parlementaire qui dit, il n'y a pas joué de mots pour faire population un bon soir à cause pays qui vivent une situation critique. Donc, de monde t'a dit, en plus, là, il a contribué. Non, mais c'est la situation critique, ça. Il y a un reportage à Conchel Adrien. Les gens, ça, toujours fait chaque fin d'année avec nouvel an, coutume souvent exiger une dit l'autre bon finissement année avec heureux jour de l'an. Cependant, face à un contexte politique très difficile, pays à connaître, qui la cause, économie pays a détruit.
chômage a augmenté, avec une société aux abois, coutume ça, gen tendance perdu tout chamlé. Même au niveau politique, certains politiciens ont une difficulté pour jouer le mot exact là, pour ta faire un souhait avec l'ensemble population. C'est cas pour député circonscription des Dunes-Lan, Baudelaire Noël Saint. Si on fait l'année qui parle difficile de population, est-ce que nous avons toujours utilisé le même bagage là pour nous dire mon histoire de Noël pour l'année 2020? Je ne connais pas. Je ne sais pas pour faire l'année ça. Je vais seulement dire population, en nous, Kembe, résister pour nous défendre. En nous, Kembe, résister pour nous exiger plus de gouvernance. En nous, Kembe, Goumé, pour nous forcer, mon qui a des systèmes pesés sur ces salaires. Mon qui a des systèmes qui créent conditions, nous venons là, dans le dire là. Pour nous, comment, nous avons créé une autre forme de pouvoir, dans le consensus avec toute force pays, pour gagner une meilleure condition qui a créé pour l'autre année qui a venu. Sénateur Nib, France Nédénius, les mêmes tours pas joué de mots pour faire année avec nouvel an. Contexte là très difficile et compliqué et souhaitable pour population, hein. C'est bon combat. Dans l'espoir, Anikab venir. Cas différent. Et continuer bataille, continuer mobiliser et bataille contre corruption, bataille pour changer système, non? Parce que fête fin d'année à les constats, c'est parce que nous gagnons un système, nous gagnons un fonctionnement de l'État qui permet que, eh bien, 80-90% de monde dans le pays n'a pas qu'à vivre. Maintenant, moi, je crois que ces batailles-là pour continuer et peut-être, et si les quimbés dans la bataille-là, eh bien, l'année prochaine, capable même bien avec Anessa. Député circonscription Bombado Police là, Jean-Michel Moïse, dans la circonstance fait Anessa, souhaiter la paix, côté lui encourager tout le monde, garder intérêt pays là, pour joindre une solution haïtienne dans la crise politique là, qui finit de pas finir avec pays là. Souhaiter tout le monde pour un retour, nous réfléchir avec plus que nous, plus amour, plus patriotisme pour pays là, et amour nous gagner une pour l'autre, comme voisins, comme concitoyens. Et ça me souhaitait pour 2021, pour toute population haïtienne, un pays qui prie en paix, côté qui est moins de monde mourir, qui est moins de sécurité, et non, était conscient de la situation, non. En tout cas, année 2019, l'après-aller, quitter pays, dans une crise qui semblait sans bout, pas qu'il n'y ait aucun espoir, année qui va venir, pas être différent. Winchel Adrien, Caraïbe FM. Si Winchel Adrien, par rapport à l'année 2018 passée à quantité haïtienne et aux rapatriés en République Dominicaine continue à augmenter considérablement pendant l'année 2019, là, il y a un chiffre guerrier qui passait sous 50 942 rivés, 99 466 rapatriés. Oui, donc citoyens, compatriotes nous qui obligés à courir chaque jour quitter pays hein, pour aller chercher la vie meilleure hein, et les arriver de l'autre côté, non seulement des fois ils ont humilié, des fois ils ont voyé retourner dans des situations difficiles et c'est ça gars les mêmes les présentaient là dans le rapport ça côté quantité haïtien qui en 2008 qui était voyé retourner donc chiffre là il augmenté puisque chaque jour nous-mêmes n'a pas en pile nous pas quitter pays à cause situation misère à cause de situation difficile, puisque autorité qui, bon, ici, eux-mêmes, c'est à faire pas à régler, pas fait cas de situation paysan pour ta permettre que gagner, allumé qui fait pour au monde qui pille bayo. Donc, groupe cap appuyé, réfugié cap attrié, ils ont présenté rapport ça, dans occasion, commémoration, 19e journée internationale, migrants, yo, gars, qui dénonçaient conditions rapatriement haïtien, yo, avec violation, droit rapatrié, yo. Gerline Morestin. Depuis plusieurs décennies, Haïti tourne un pays migrant. Côté population, grand coupiti, pas suspend courir quitter pays, pas ban ak pa paquet, yon façon pour échapper à problèmes socio-économiques, à politiques, nation a fait face depuis quelque temps. Pour arriver à atteindre objectif, yo, citoyens sa yo, souvent préféré mettre la vie en danger. N'en voyager n'importe comment, en pile nan réfugié haïtien yo kon mouri nan route ou bien immigration voye yo tourner yon rapatriement qui pas souvent respecté nom yo ça qui attire attention groupe d'appui pour rapatrier ak réfugié yo qui nan occasion journée internationale migrant yo présenté situation ça avec yon ensemble donné Géralda Saint-Ville c'est responsable communication
ak plaidoyer gare. Pour année 2018 là, nous avons un total de 50 942 monde qui ont rapatrié. Or, pour 11 premiers mois 2019 là, soit de janvier à novembre 2019, nous avons un total de 99 466 monde qui ont rapatrié. Or, nous pouvons finaliser avec données pour décembre là, puisque nous avons à peine mi-décembre. C'est pour montrer évolution par rapport avec ampleur rapatriement qui continue à faire. Gare profite occasion pour dénoncer mauvais conditions pays voisins à rapatrier migrants haïtiens. Responsable estimé droit compatriote haïtien yo pas suspendre violé sous frontière ya. Des migrants yo arrêté au mettre dans des centres de détention. Autorité policière tout profiter au fait travaux forcés en dans prison. Ça sont sorte de violation de droit yo. Des l'autre forme de violation qui touche mesdames yo tant harcèlement parce que non seulement yo victime en tant que migrante mais yo victime tout parce que c'est femme et yo subi harcèlement avec viol. Près de 4% non sous 1000 qui témoignaient ça. Alors, par rapport à l'analyse que nous avons fait dans le cadre rapport ça sous violation yo. Pour marquer 19e journée internationale migrant yo, groupe d'appui pour rapatrier et réfugiés yo qui non seulement attire attention autorité haïtienne yo sous différents problèmes migrants haïtiens yo a fait face. Et puis profiter, faire quelques recommandations. L'État haïtien doit mettre accent sur mes yeux ça. Tant qu'il implante des programmes de développement économique, non seulement dans la communauté frontalière, mais dans les zones qui sont des zones de potentiel de migration, qui permettent que les gens restent dans la zone et ne pas mettre vie en danger pour chercher la vie. Donc, quoi est important tout pour bailler documentation à migrants qui vivent sur notre territoire. Parce que le problème d'identité, prendre que les migrants ne pas carrément régulariser situation yo dans pays côté retrouvé yo surtout en République dominicaine. Gerline Morestin, Caraïbe FM. Merci un peu, Gerline Morestin. Grande question, on n'a pas posé tête yo, c'est qui est l'État à pour prendre contrôle en bas la ville là, hein? Parce que moun k'ap tande là et ti machan yo, moun ki t'ap vann kwa bo sal yo dans ki situation yo ye, et puisque ou font paquet de temps ou pas ka vann parce que l'État vann en bas la ville là ka bandi. Donc dans moment ça n'a pas salué Bakop cafétéria qui lui-même toujours présent dans la rue pour capable assurer sécurité population, hein? Bakop tout dit dans zone première avenue qui est tout temps a pas fait travail. Les mêmes gens tout policiers qui pendant toute année t'es risqué la vie pour nous, hein, risqué la vie na rue à tout temps pour faire face à l'autre monde, hein, l'autre citoyen pareil nous mais qui des zab nan mayo qui pas fait peut-être bon route là. Et donc nous on passé à kyo matin malgré gagné en pile plein tout bon côté les policiers qui yo même a demandé continuer demander prime des risques que l'État droit yo gagné policier 29e promotion yo qui demandé 6 mois agir salaire yo dit l'État droit yo tout temps y a demandé de parler avec ministre finance là pour yo au moins pour que yo ta joine un petit comme ça pour faire année pour que yo ta capable bail ça mangeage la caillo à famille. Donc Pierre Renel j'entends dire là peut-être c'est pas un bon moment mais gagné une équipe de monde qui pendant toute année là fait que pays pas effondré davantage et une institution qui était resté debout pendant toute période crise là, c'était la police nationale d'Haïti. Oui, la police nationale d'Haïti qui quand même malgré faible moyen, y a gagné malgré toute critique, hein, y était recevoir, y arrivait quand même passer dernier moment ça nous sommes vivre dans crise là comme une institution qui était responsable et c'est occasion hein, pour nous attirer attention autorité sur nécessité qui gagne pour accompagner institution pour mettre moyens à disposition institution ça pour capable continuer et jouer au rôle qui s'est protégé accès vie oui moyen pour institution tout mais moyen tout pour motiver policiers bon. Connaît policiers ont pile difficulté et Dieu seul sait combien d'un yo qui a abordé nous là chaque jour pour dire qu'il y a un problème caille, qu'il y a un problème pour madame yo accoucher et qu'on est pour image institution
nous pas permettre nous venir mettre un policier chita là pour policier li a demandé gens nous permettre en pile monde fait. Donc vous t'ai dit tout à l'heure et qui le l'état pour prendre contrôle et en bas la ville là, mais ça fait longtemps l'état perdu contrôle en bas la ville là. T'es député yo qui était en mal pour tes jeunes souhaits, mais si nous t'as capable jeune souhait nous même guerrier, c'est à souhaiter que nouvelle année hein, l'état li reprend contrôle en bas la ville là pour permettre que l'on moun nou ap déplacé ou pas gain pour faire mille réflexions. Est-ce que me ka sorti, est-ce que me ka déplacé, est-ce que me ka aller Matissan, et tant coup là je dis à la malgré ou tu as débloqué, mais chaque fois on est parlé en province ou réfléchit 10,000 fois pour qu'on est, est-ce que me pas prendre risque pour m'aller en province. Donc c'est pas normal pour un monde non pays et pour pas capable de circuler, et je crois que c'est un premier droit que nous gagnons pour circuler libérément. Et c'est balavela, c'est poumon économie pays hein, parce que c'est là toutes ces marchands nous madame Sarayo, c'est là yo vini oui commerce informel informel donc c'est là le fait plus donc nous encore souhaiter que l'état pendant nouvelle année reprenne contrôle en balavela. Quand on a parlé de policiers policiers politoyo dinto yo même yo gagnent combien mois là, presque en quantité mois 46 mois frais que ministère touriste droyo. Donc nous capable imaginer ça ça veut dire n'a bien pour aller de côté là matin nous pour aller Inch dans prison Inch là parce que une situation qui a développé depuis hier soir et jusqu'à matin c'est toujours prisonnier au son information qui gagne contrôle espace prison n'a pas parler à quelqu'un confrère et n'a bien pour nous aller ça vient dans l'Artibonite pour nous regarder comment situation est puisque nous apprendre monsieur toujours là à terroriser population nous pour parler à quelqu'un confrère maintenant Radio Men FM, c'est ça, c'est ingénieur Rousseau, mais il connaît sous nom c'est Ernso, Ernso qui lui-même c'est un journaliste dans Radio ça qui lui-même après a parlé à Canon matin puisque il est sous place pour suivre ça qui a passé dans prison civile Enchla côté gagnant de prisonniers qui prend en otage les agents depuis hier et il a plutôt a fait négociation avec autorité yo pour qu'on ait qui ça pour autorité offrir pour qu'il soit capable libérer agent yo et jusqu'à matin d'après ça confrère là en fin qu'on ait c'est en tout cas prisonnier qui contrôle espace là puisque agent Udmo yo qui est venu pour intervenir était obligé rester dehors puisque monsieur yo gagne zam en main yo puisque yo te prend zam de poste de poste pour agent que yo prend en otage yo. Nous allons parler avec Rousseau qui ensemble avec nous et Enzo Rousseau c'est ça oui comment nous allô. Oui, allô, guerrier. Oui, bonjour. Dis-nous comment la situation est. Bonjour, guerrier. Bonjour, PRR. Donc, moi, salue tout auditeur de plus, c'est Radio Caraïbes. Donc, Jean qui la situation jusqu'à présent pour changer parce que il était environ 4h30 hier et dans l'après-midi, côté que agent pénitentiaire a fait une fouille d'après l'information qui a été gagnée. Mais oui, effectivement, dans la cellule 4, il y a joué 9 mm Glock avec 4 filles, il y a une arme tranchante. Qui c'est on ponya de ce fait il a continué avec fouille là les ouvriers dans cellule 12 donc qui vient là dans des bandits comme les barons et puis et bout de Jean-Jean donc il était ainsi nous dit monsieur l'autre pour sortir tout au nid et puis avec deux mains en l'air pour capable sortir monsieur était résisté au dit non il n'a pas sorti il n'a pas ouvrir cellule là donc c'est là ça et on dit moi comme ça monsieur a pas approché vers cellule là donc et baron et basculé et tiré sous tête et agent et pénitentiaire là en dit agent et inspecteur qui c'est inspecteur Wilmac donc il prend le ballon clé coup entre avec lui dans cellule là et puis c'est depuis là ça n'est aucun et inspecteur Wilmac et puis et Josius qui c'est un autre et agent 2 qui au niveau et prison civile donc depuis 4h30 ça c'est un pétition qui t'a fait en dans prison et civile là donc les monsieur yo même yo armé yo gen zam nan men yo donc agent Idmo dans ville HT prend possession en vie et c'est pour sécuriser extérieur et prison civile là donc avec dans l'espace ça ont commencé et tirer gaz lacrymogène en dedans parce que monsieur t'a essayé écraser tout l'autre les portes cellules pour mettre prisonniers dehors et il a tiré tout donc
Il était pris un téléphone agent Wilma qui fait inspecteur et rendu l'autre agent de lui avoir un message pour nous dire que si on continue de voir gaz lacrymogène, il a tiré mon nom qui est alors agent qui n'a même pas. Donc ça devait faire que c'est un calme apparent, mais il a continué et tiré sur l'autre et dit manigance pour essayer de sauter. Donc il est venu relayer dans le téléphone, sous téléphone directeur département Kala, qui c'est le directeur Foud Jean-Michel, on fait plus que 45 minutes de négociations ensemble avec eux. Côté, on dit que pour être capable de bailler, il y en a prisonnier, alors il y en a inspecteur, il y a même tout, il y a un monde qui est blessé en dedans pour être capable de bailler, mais espace, tout espace aérien en termes de dos. Et prison, hein, t'es occupé par des agents IDMO, en attendant qu'ils t'attendent à l'arrivée des Espines, Espines qui c'est équipe pénitentiaire intervention IDESCOP. Donc jusqu'à 7 minutes qui est arrivé jusqu'à très tard dans la soirée, 9h03, c'est l'heure qui est arrivé. Arrivé dans une réunion avec le directeur départemental, il était duré plus que 20 à 30 minutes. Donc intervention n'a pas faite ce soir-là, parce qu'il n'est pas approprié, on tape on dit qu'il fait jour, parce que monsieur a demandé, en parlant des prisonniers comme revendication, il a demandé pour taguer un monde qui sont représentants droits de l'homme, un représentant et société civile avec un juge de paix qui pour supposé venir négocier ensemble avec eux pour dire qui ça nous pas connaît, pour qui ça revendication ça nous pas connaît, mais jusqu'à minute côté n'a pas parlé avec vous là, il était situation pas changé parce que nous quittons l'espace du commissariat, il était environ presque 11h du soir, donc monsieur était commencé à continuer à faire tentative, il fait des tirs, on dit à chaque 10, 15, 20 minutes, donc il y a des tirs. Et eux-mêmes, ils ont dit, le pendant qu'on a parlé avec le directeur départemental, là, ils ont dit, eux-mêmes, qu'ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas pris la rue, comment ZAM ça a fait vivre notre région, à toute munition ça, est-ce que les policiers qui baillent, pas plus méchants, que eux-mêmes, c'est ça qu'ils ont dit, mais eux-mêmes, il dit qu'il n'y a pas envie de rester dans la prison d'après ça qu'il dit. Par contre, sur les questions et guerriers. Parce que jusqu'à cette minute, la situation n'a pas changé. Donc, c'est seulement l'agent Espinho qui prend contrôle en vie et prison. L'homme dit qu'on prend contrôle dans la sortie prison, mais intérieur prison en termes de coup prison même jusqu'à cette minute pour qu'il y ait une intervention qui fait. Et inspecteur, tous les deux agents pénitentiaires, toujours dans la main, monsieur Anda. Qui pas évolué dans la prison civile et Inchelon malgré intervention UDMO et depuis hier soir arrivé unité spécialisée dans police pénitentiaire là, donc situation a été saliée d'après ça ou dis-nous, mais on parlait de bout de Jean-Jean ou cité non Baron, c'est bien deux chefs gang qui étaient pas au presse transférés dans la prison civile là et c'est eux-mêmes qui à la tête mutinerie ça ou ça. Exactement, exactement. C'est bout de Jean-Jean et puis Baron, c'est eux-mêmes qui a la tête ça qu'a fait là. Parce que à part de ça qui était passé Gonaïve et puis ils ont été transférés environ 180 détenus, parmi eux, bout de Jean-Jean et puis Baron qui actuellement là dans la prison et civile Inchelon. Mais son prison civile, Jean capable d'expliquer qui gagnait environ pour qu'on y a 555 détenus là-dedans, entre monde qui condamné et monde capitaine. Jugement entre mineurs et femmes, donc c'est 555 détenus qui gagnent là-dedans. Mais qui gagnent des bandits, quelqu'un dit notoire, donc des mondes qui ont transféré sorti de l'autre prison, soit dans la capitale là, ou bien Gonaïve, ou bien Sema, donc qui viennent là-dedans. Nous, pour monde qui par contre, une prison civile là, sont prison qui est située dans angle rue, en dit sous rue Paul-Eugène Magor, alors à monter vers et l'hôpital Saint-Thérèse, ou pendant les lycées du Massin Estimé, mais qui gagnent. Commissariat qui limitrophe li, qui fait les façades latérales gauche, et puis dans Doli, gagné base Idmoa, donc qui lui-même qui l'a donné. Donc c'est une prison civile qui fait construire, qui respecte toutes les normes d'après ça que nous tendons qui ont dit, qui respecte toutes les normes en dit pour prison moderne dans le pays, mais qui gagne pour l'instant un pile gros prisonnier là-dedans. Et n'a pas rappelé, donc ça fait environ 2 ans de cela. Depuis 2007, 31 décembre 2007, c'est une évasion spectaculaire qui était faite dans la prison civile. Ça, à côté de 7 détenus qui étaient transférés dans la prison civile. Ça, donc, le 31 décembre, quand ça a été scié, il y a un espace et fait forger dans fenêtre. Il était descendu, fait cabane, il était utilisé drap cabane pour se descendre et était parti. Justement, et jusqu'à présent, il y a dans les airs, pas des gens qui continuent, fait des arrestations et transfert, il y a des agents, mais pour l'instant,
un bagage qui a recommencé, qui a continué, fait parce que la grande question que tout le monde a posé, qui côté Zamsa a passé pour entrer dans la prison civile là, nous pas connaît parce que monsieur même, quand il a parlé avec le directeur départemental, il a répété, il a dit, pas saute dehors, il a pas allez, c'est fini, ça finit en journée, et yo dit, yo gen zam, yo gen munition, yo besoin, yon entente, yo besoin, yon, on dit moi, pour négocier, pour yo capable de sortir avec yon entente. Sinon, moun ki nan meyowa, yo plutôt mouri, on dit brave, ou bien pour yo faire, ça ou bien pour faire. Mais jusqu'à cette minute, j'en ken dit, espine là, gen en douzaine d'agents, espine qui bien équipé, et avec, cagoule dans les yeux depuis hier soir, mais qui n'a pas intervenu à l'intérieur même de la prison, côté que les prisonniers eux-mêmes ont eu. Dans pile l'autre prisonnier, d'après l'information que nous venons, qui a toujours été dans ces lieux, parce que l'agent Idmo est toujours en l'air, il a supervisé, et M. Otéré, le directeur, pour dire que. Mais avec nous a prêté sur yo, il y a bas oppression, il y a tiré le gazage plus mauvais sur yo. Si ça continue comme ça, bagala ka gâté, ça m'a parlé de hier soir jusqu'à 11h du soir. Mais pour matin, encore une fois, ni inspecteur, ni l'autre agent justice toujours dans la main, monsieur. Voilà, merci un pile, Rousseau, merci un pile pour précision sans yo. Et probablement, on a gagné pour nous parler dans le fin journal là avec des autorités, ou bien si situation a évolué ou capable de faire nous connaître. Nous avons parlé au micro tout à l'heure. Donc, c'est Boycite, prison c'est presque sur la rue, on va dire c'est magasin, mon yon fait. Et même sur route nationale là, on va parler à Kaye. Bon, en prison, on fait que fait. Bon, on fait, on va dire presque, on fait sur la rue. On va dire c'est bah, il va l'exposer. Ouais, c'est côté va mettre fleurs pour vendre. Ouais, elle dit d'ailleurs capable de sortir pour camionnette et puis là la caille. Ouais, c'est quand on pas de terrain, c'est quand on pas de espace. Ça me dit tout ça n'a fait faire différent. Ouais, donc nous ca comprendre dans ces prisons parce que là il était construit pas de gagner et population ça pas de gagner explosion démographique ça. Donc pénitentiaire national dans zone côté l'été à l'été là pas de gagner tout monde ça yo mais dernière prison qu'a construit tant pour prison ou fait mention de lit, prison pour famille qui sont national là, donc nous ne comprenons pas et après ça. Donc, vous avez dit, nous avons gagné pour nous parler tout à l'heure avec l'autre responsable bien, sur la situation, ça, puisque la situation qui est dans la prison civile, c'est résultat frustration et prisonnier qui, quand même, dans une mauvaise situation de détention côté, pas gagné manger, pas gagné soin, il y a un pile problème. Donc, c'est une raison qui, à la base, mutinerie ça, qui, jusqu'à présent, autorité ou toujours pas reprendre contrôle de la prison civile. Nous allons tirer l'Artibonite, qui était dans l'actualité un peu de presque toute année avec Bandi qui lui-même a terrorisé la population. Et nous apprenons hier qu'il y a plusieurs cas qui ont mis du feu là-dedans. Nous allons parler avec Elinor, M. Elinor, qui lui-même c'est dans la radio Famille Terre dans tirer l'Artibonite qui va le partager avec nous. Ça le gagne comme information par rapport à ce qui est arrivé hier dans Tivière, l'Artibonite. Elinor, bonjour. Bonjour, Gaillé. Bonjour, Père Edel. Donc, c'est un plaisir matin pour que nous puissions parler, et spécialement sur la commune Tivière, l'Artibonite, en particulier pour une section Tivière, l'Artibonite, Gaillé. J'en suis notamment celle-là. Hier après-midi, il était aux environs de 1h, pour y avoir 2h, dans l'après-midi. Côté que, gagné et bandit, ça vient. Donc, nous connaissons qu'il n'y a pas. Il y a une enquête liée au demain. Donc, qui débarquait dans une zone Mojé, en particulier dans une zone Bahé-Léon. Côté que M. Sarosi, ça a oublié, il n'y a pas fait derrière. Donc, il a pillé. Et après quoi, il a brûlé tout son caille qui sous le jeu, il a dans la tête qui a brûlé. Donc, il faut qu'on dise que il y a environ une vingtaine de cailles qui brûlé hier, derrière un business, l'église, par épanouir dans une zone. Donc, il faut qu'on dise que c'est une situation qui est très tendue, non? Et qu'est-ce ça, yo? Pour qui est-ce, yo? C'est pour des simples citoyens ou bien des gens qui ont des problèmes avec yo? C'est pour des simples citoyens dans la communauté, hein? Et il faut qu'on dise que zone ça même, son zone l'a passé un mauvais moment depuis un bon bout de temps. En bas, même, monsieur Sayo, les petits tours, ils débattent dans la zone Sayo, donc, il y a terrorisé la population. Faut que moi, d'autres, guerriers, guerriers, c'est pas seulement ma zone, ça, que monsieur, nous-mêmes, il faut actualiser.
Mais il y a une zone qui est proche, côté que les paysans ou même les livrés ou même ne vont pas travailler. Donc, et c'est ça que fait l'autre jour, je m'étais parlé dans la radio, je m'étais dit que il y a une de la fin sur la commune Thérésiens. En rapport avec, surtout première et deuxième section, paysans ou pas qu'à travailler. Donc, là, on prend Cafoujaco, Mogé, on prend Coutette, et puis, on prend quelques zones qui sont sous bois là, ville, qui liées par rapport avec la communauté extérieure, ça. Donc, on n'y a pas qu'à travailler. Donc, tout le monde est obligé. L'on dit pas qu'à travailler, et ça qui fait ou pas qu'à travailler. Puisque nous apprenons des fois, monsieur qu'on débarque dans le jardin Mounio, dit bon, même leur fin récolte du rien, ils ont même décidé de prendre, ils ont pris une quantité là-dedans, soit ils prennent toutes. Et qui ça qui fait Mounio pas qu'à travailler? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de déplacer pour aller dans le jardin yo, ou bien parce que les fin fait récolte là, Mounio, bandit, vini et prend récolte dans le main? Exactement, exactement. Tout le monde c'est le cas. Parce que gen nan ka kote ke moun yo menm yo travay, se partage avec moun sa yo, bandi sa yo. Et l'autre ka, se kote ke monsye sa yo pran terrain yo. Yo pran yo, yo van yo avec moun, de yo di yo, et se la de yo di ki travay terrain sa yo. Donc, moun yo pa peur ou bien... Ça veut dire que décide monter sous terrain moun yo, yo van la de yo tout? Exactement. Bon, faut que nous tout premier bagage qui mettait commune qui gêne dans situation sociale en particulier première section, c'est situation confédérienne. Donc c'est lui qui vient conduire avec les gens des situations ça nous gagne vous dire là. Avec question problème élection des nègres qui candidat qui supporter nègres pour écraser le bureau yo ba comme. Donc, avec ZAM, c'est ça qui mettait commune Thérésiens dans la situation par les jeunes. Ça veut dire gagner des familles, c'est ça nous sommes jeunes informations que nous avons gagné, gagner des diasporas qui convoient ZAM et Mounio pour capable protéger les terrains. Exact. C'est un nom qui très populairement et département de la Tironie, côté que gagner en style ZAM, pourquoi nous gagnons. Et c'est vrai que moi-même, souvent, je parle avec l'espérance, qui dit une grande difficulté pour le rêver. Faut que moi, je dis qu'il y a un pile d'âmes, particulièrement dans la communauté. Et les âmes, ils vivent, en pile fois, c'est une diaspora, ils sont venus, parce que, il y a des gens qui vivent dans la communauté, ils ne sont pas vraiment pour acheter des âmes. Parce que, vous imaginez, on a vendu $2,500 américains, $3,000, pour un petit paysan. Les gars, même quand ils sont sandales pour mettre ma ville, et tandis que vous regardez, ils ont un gros golf usine en dollars, qui vend $2,000-$3,000 américains. Au point de son situation très tendue dans le divers et ça qui nous dérange nous dans la communauté à nous-mêmes c'est parce que la police la justice n'a jamais fait rien pour traquer monsieur Sarou et chaque jour qui joue monsieur continue à terroriser la population hein, suite à hauteur carrefour fait route nationale là monsieur il prend machine l'air ouvré sorti les réponses ont été terrorisées la population hein. Donc son situation qui est vraiment compliquée. Et encore, on a demandé, est-ce que l'État lui-même n'est pas rentré des connivences avec Montaro, parce qu'il n'a pas fait rien pour montrer à la population hein, que M. Sarou même, il vient de dire qu'il a placé pour la population qui vivait en dessous. Et entre-temps, qui ça est gang Anel Joseph t'a dirigé dans poste Pierrot li devenu après arrestation li te gon moun ki te remplacé li et est-ce que gang ça a toujours existé dans poste Pierrot? Alors faut pas dire que gang Anel là pour l'instant donc a dit qu'il pas existé parce que c'est gen Anel qui décide arrestation qui dans prison m'a qui représenté dans communauté à c'était un grand roi à lui-même tout. Et bien, côté qui mourit, les amis qui sont morts, tout reste dans le monde, même de ces zones-là. Faut que je dise que par rapport à la commune dirigée, parce que aujourd'hui, à son zone très paisible, l'école reprend comme ça de la sous-marchand, marché pour ce qui est à lui-même qui reprend, marché n'importe quoi. Donc, toute activité reprend dans la commune de Salines, surtout à hauteur de 4e section, côté qui a lui-même été installé. Et faut que moi je trouve que Anel là, pas tellement c'était un problème dans la commune marchand, mais il était associé avec M. Savienio. Et ça fait permettre que le décon est partagé entre ville dirigeant la Tibonite et dans le moment qui est ouvré. Mais c'est avec Anel là lui-même qui n'a pas existé qu'on y a centre ville je n'en suis souffle. Je n'en suis souffle. Mais il faut que moi je trouve que au niveau premier, deuxième section, les populations ça même je parle du tout. Moi, j'espère que vous avez passé une très
très bon moment ensemble avec nous, un très bon moment d'information. Et c'est ça, et c'est objectif ça, nous, tête, nous, faire ou joindre toute information dans bon petit mamite. Mais pour ça, au grand seul grand travail pour capable faire, c'est abonner et ensemble avec nous, activer la petite cloche là, mettez-le sur tout comme ça, ou après recevoir notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo pour capable toujours être informé. Nous souhaitons passer une bonne journée, n'après tourner pour nous capable continuer à informer.